Salut, moi c'est Ambre. Pour les plus intimes, Ambre Onyx. En ce moment, je suis au lycée Montessori. Je passe en seconde. C'est un tout nouveau départ pour moi. Je cherche la liste des élèves de classe, mais je ne la trouve pas. Si j'allais demander à une de ces filles là-bas. Elles m'ont l'air très sympathiques. Bonjour. Bonjour. Désolée de vous déranger, mais est-ce que vous savez où est la liste de classe? Oui, elle est tout au bout là-bas. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah oui, elles sont là. Alors, je cherche mon nom. D'accord, je dois aller dans la salle 136. J'y go alors. Regardez, les filles, il y a une nouvelle. Ah ouais? Elle est grave moche. Grave. Je sens qu'on a trouvé une nouvelle victime pour lui faire subir quelques petits trucs cette année. Venez, on l'appelle et puis on lui demande comment elle s'appelle pour voir si elle est dans notre classe. Ouais, très bonne idée, Romane. Et la nouvelle? Oui, bonjour. Dis-nous, tu t'appelles comment? Je m'appelle Ambre Onyx. Et vous? Moi, je m'appelle Serena. Moi, c'est Candice. Moi, c'est Romane. Et moi, c'est Alicia. Ah, j'ai vu votre nom sur la liste. Enfin, vous êtes dans ma classe. Oh, mais c'est génial, ça, dis donc. Ouais. Bon, bah, je vais pas vous déranger plus. Attends. Oui? Tu pourrais manger avec nous à la cantine ce midi. Ah ouais, excellente idée, Serena. Oh, oui, ça me ferait une joie. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ouais, c'est ça, à tout à l'heure. Petite conne. D'ailleurs, je n'ai même pas leur demandé leur prénom à ces filles que j'ai demandé la liste. Re-salut, je voulais juste vous demander votre prénom. Oui, d'accord, moi c'est Cassis. Moi c'est Jade. Moi, c'est Maëva. Et moi, c'est Ilana. D'accord, moi, c'est Ambre. Je sais plus du tout si je vous l'ai dit, mais... je vous ai vu sur la liste de classe. Vous êtes dans ma classe. Ah, bah c'est génial, ça. Ouais, c'est vrai. Tu peux manger avec nous à la cantine, si tu veux. Oh, j'aurais bien aimé, mais il y a déjà des filles qui m'ont proposé de manger avec elles. Et c'est qui, ces filles, au juste? Ne me dis pas que c'est Romane et sa bande. Oui, je crois qu'il y a une meuf qui s'appelle Romane. Moi, je te le dis, reste vraiment pas avec ces filles. Ah bon? Et pourquoi? Elles ont fait quelque chose de mal? Oh que oui. Moi, je te le dis, elles sont vraiment des grosses pestes. Oui. Pour moi, elles ont l'air très gentilles. Elles ont été super sympas avec moi. Elles font ça à chaque nouvelle. Elles font genre qu'elles sont sympas et tout, mais... Tu vas voir, tu vas découvrir leur vrai visage. Après tout... On t'aurait prévenu, quoi. Moi, je te le dis, mange pas avec elle ce midi. Viens plutôt avec nous. Nous, on est plus sympathiques qu'elle. Je vais y réfléchir. Merci quand même de m'en avoir informé. Ah bah, tu sais, y a pas de quoi, hein. Tu sais, quand ça parle de Romane et tout... Voilà, faut toujours faire gaffe à ces filles-là. D'accord, merci. À tout à l'heure en classe. À tout à l'heure. Et genre après mon père, tu vois, il a pété un câble et genre... Oh mon dieu, t'aurais vu la tête. Oh, salut la nouvelle. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Ambre, et vous? Moi c'est Karim, et moi c'est Tom. Enchantée, je crois que vous avez vu... Vous êtes sur... vous êtes dans ma classe. Ah oui, j'ai cru voir une Ambre. C'est... Ton nom de famille, c'est Onyx, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah bah cool, on est dans la même classe. T'as l'air très sympathique en tout cas.
D'accord, vous restez pas avec les trois autres garçons qui sont juste à côté de vous? Oh non, on était potes, mais on ne l'est plus. On a eu des grosses embrouilles avec eux cet été. Ah d'accord, je vois. Bon bah, à plus. À plus, la nouvelle. Alors un prénom, ouais, c'est bon. Bonjour. Noah? Ambre? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah écoute, je suis nouveau. Ah, vous vous connaissez? Oui, on s'est connus en maternelle. Jusqu'à la primaire, jusqu'à ce que je change d'école. Eh ben dis donc, t'as vraiment pas changé. Toi aussi, je me disais bien qu'il y avait une fille que je connaissais dans cette classe. Et cette fille, bah c'est toi. Je me disais que je connaissais une Ambre Onyx, mais je pensais pas que ça allait être toi. Eh ben si, me voilà. Bon bah, salut, moi c'est Léo. Et moi c'est Théo. Et ben lui c'est Noah, tu le connais. Enchanté les garçons. Trop cool alors, vu qu'on est dans la même classe, on va pouvoir rattraper le temps perdu. Ah, parce que vous restiez ensemble à l'époque? Évidemment, on était les meilleurs amis du monde. Ah, génial. Ouais. Dis, ça m'a fait vraiment beaucoup de peine quand tu as changé d'école. Ouais, moi aussi. Surtout que j'ai dû quitter aussi mes autres potes, quoi. Ouais. Bon, ça a sonné. On va en classe? Vas-y, let's go. Ouais. Tu viens, Léo? Oui, bien sûr. Et Jean-Karim? Ouais. Allez, les filles, on y va. Ouais, let's go, j'ai la flemme. Grave. Et attendez-moi, les filles. Oh non, super. Ouais, grave, j'ai la flemme. Ouais, allez, viens, Romane. Ouais. Bonjour, madame. Bonjour, tu peux attendre devant le tableau, je vais vous placer. D'accord. Bonjour. Bonjour. Pourquoi t'attends là? Bah, c'est la prof qui l'a dit, elle va nous placer. Ah, ok. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour les garçons. Salut les nouvelles. Salut. Vraiment, tu parles vraiment avec eux là? Bah, je les connais juste, enfin vite fait quoi. Ah, ok. Bon, elles font quoi les autres? On sait pas. Ouais. Ok, bah on va les attendre. Bonjour madame. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour madame, bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour madame, désolé du retard. C'est pas grave, dépêchez-vous. Ouais, bonjour. 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 Y'a plus personne? Non, y'a plus personne. Ok. Donc du coup, je vais vous placer et je vais vous placer par ordre alphabétique. Bon, du coup, voilà. Pour commencer, je vais faire l'appel. Léo Anoxy. Présent, madame. Noah Kals. Présent. Jade Sivi, présente. Cassis Gold, présente. Alicia Hubert, présente. Tom Houba, présent. Candice Lechèvre, présente. Karim Le Sueur, présent, madame. Théo Louison, présent. Serena Minix, présente, madame. D'accord. Ambre Onyx, présente. Ilana Rosa, présente. Roman Spence, présente. Et puis la dernière, Maeva Thomas, présente. D'accord, tout le monde est là. Alors, je suis Madame Smith et je serai votre professeure principale cette année. Donc, je suis une prof d'espagnol. Donc, cette année, vous allez enseigner l'espagnol avec moi. Donc ici c'est le lycée, vous êtes une classe de seconde, assez petite quand même, mais c'est pas grave. Donc ici vous devez montrer aux terminales et aux premières que vous êtes digne d'être des secondes, donc pas des bébés. Vous êtes plus en troisième, donc vous êtes plus les grands du collège, maintenant vous êtes les plus petits du lycée. J'espère que vous allez vous tenir à carreau, parce qu'avec moi on rigole pas. Dès que j'entends un truc qui me plaît pas, je prends direct le carnet. C'est soit vous vous taisez, soit je prends le carnet. Bien, j'ai remarqué qu'il y avait une nouvelle, vu que tous les autres étaient dans le collège, Aubertin. Alors, je crois que c'est Ambre qui est nouvelle. Donc Ambre, peux-tu te lever et te présenter à la classe, s'il te plaît? Oui, bien sûr.
Bonjour à tous, je m'appelle Ambre Onyx. J'espère que je vais bien m'entendre avec vous tous dans cette classe. Et j'espère que cette année, tout va bien se passer et qu'il n'y aura pas trop d'histoires, etc. Et voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci, Ambre. Tu peux retourner à ta place. D'accord, merci. J'espère que vous allez bien accueillir Ambre, qui vient d'arriver du coup au lycée. Donc c'est la même chose pour vous, hein. C'est un tout nouveau départ. Mais vous vous connaissez tous. Donc j'espère que vous allez faire un bon accueil à Ambre. En tout cas, Ambre, moi je te souhaite la bienvenue. Merci, madame. Bon, eh bien on dirait que cette année nous sommes à côté. Ouais, ça va être génial. Ouais, t'inquiète. Avec moi, je vais pas te manger. Bref, du coup, je vais vous donner votre carnet de correspondance et votre emploi du temps. Ambre ? Oui, Maëva, c'est ça. Oui, c'est bien ça. Si tu veux, tu peux rester avec nous pour la récré. Si ça te dérange pas, j'aimerais bien rester avec mon pote d'enfance. Oh non, vas-y, y a pas de souci. C'est qui ton pote d'enfance, si c'est pas indiscret ? C'est Noah. Ah oui, je vois. D'accord, pas de souci. D'accord, à tout à l'heure. Et je vais bien manger avec vous à la cantine. Je vais juste dire aux filles que je mange pas avec elles finalement. D'accord, vas-y, pas de souci. D'accord. Je sens qu'elle va être super gentille, cette Ambre. Ouais, t'as grave raison, Cassis. Les filles ? Ah, Ambre ! Tu sais, nous t'attendions. Ah oui, et pourquoi cela ? Disons que tu pourrais faire partie de notre bande de populaires. Comment ça ? Tu veux pas faire partie de notre bande ? Tout le monde rêverait de faire partie de notre bande. Pourquoi t'en veux pas, toi ? Vraiment, ça serait vraiment ridicule. Ça serait limite la honte du siècle. Je suis pas venue pour ça, d'ailleurs. Alors, tu es venue pour quoi, au juste ? Ouais, dépêche-toi, on n'a pas ton temps, en fait. Je voulais juste vous dire que ce midi, finalement, je ne mangeais pas avec vous. Je mange déjà avec des gens. Comment ça ? Tu refuses de manger avec nous, là ? Pas la peine de s'énerver. Oula, toi, je peux te dire que tu vas avoir des sacrés ennuis. Du calme, Alicia. Ce n'est qu'une nouvelle, après tout. Tu veux vraiment pas manger avec nous ? Et tu veux manger avec qui, exactement ? Pour voir. Je mange avec Cassis, Jade, Maëva et Ilana. C'est Poufias là-bas ? Non mais je rêve. Limite, on préfère nous qu'à elle. Tu veux vraiment manger avec des saletés comme elle plutôt que nous, les populaires du lycée ? Franchement, t'es complètement débile. Écoute, je ne sais plus comment tu t'appelles, mais moi je ne cherche pas la popularité ici. Alors si tu veux bien m'excuser, mais tu dois accepter mon choix, c'est tout. Comment ça, elle se rappelle plus de ton prénom ? Elle va se détendre, celle-là. Je sais pas, ton prénom n'est pas aussi difficile que ça en a l'air. Tu t'appelles Candice, c'est pas compliqué. Non, mais elle va redescendre un petit peu, celle-là. C'est pas parce qu'elle est nouvelle qu'elle est permise. On va lui faire la misère cette année. Ouais, t'as grave raison, Romane. Ok, oui, tu as raison, Romane. Cette petite va vite le regretter déjà d'une de ne même pas... savoir comment je m'appelle et de ne pas pouvoir manger avec nous. Qui refuse de manger avec nous même, hein ? Personne n'a jamais dit non ! Ouais, et c'est parce qu'elle est nouvelle qu'elle est obligée de faire sa star. Elle va se faire toute petite, moi je te le dis. Parce que c'est bon, elle est nouvelle, elle fait déjà la star. Calme-toi, ma belle. T'es personne ici, hein ? Mais grave, elle a trop cru qu'elle était importante alors que miskine. Elle sait même pas s'habiller. C'est bon les filles, j'ai pu leur dire. Ouais, c'est mieux, enfin c'est bien quand même. Au moins tu as eu le courage, parce que personne n'aurait osé faire ça. Ah ouais, pourquoi ? Disons que tout le monde a peur d'elles, alors que en vrai, elles ont rien quoi. C'est juste qu'elles sont populaires, c'est tout. Même au lycée, elles sont populaires ? Ok oui, les gens commencent déjà à leur tourner autour et tout, parce qu'elles sont belles et tout. Ah ouais, je vois. Bon, je vais voir mon pote d'enfance. Salut, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure, Ambre. Et Ambre ? Oui ? Si tu veux, tu peux manger avec nous ce midi.
Ouais, il y a une place pour toi si tu veux. T'es toujours la bienvenue. Ah, les garçons, ça m'aurait été une joie, mais je mange déjà avec Ilana, Maeva, Cassis et Jade. Ça vous dérange pas? Ah non, pas tout de suite. En tout cas, on a toute l'année pour manger ensemble. Ouais. Ouais, j'avoue. Bon, je vais voir Noah, Léo et Théo. À plus! Ne me dis pas qu'un sac, c'est débilos. Bon, on fait ce qu'elle veut après tout. Salut les garçons. Ah, salut Ambre. Alors, ce premier cours, tu le trouves comment? Bah écoute, en ça, c'était super. Et voilà, vous l'avez trouvé comment? Ouais, ça va. C'est bien quand même, mais c'est le but de la rentrée, quoi. Ouais, j'avoue. Ouais. J'ai une question à vous trois. Oui, c'est quoi? Ouais, dis-nous tout. Est-ce que vous avez une crush ou un crush dans la classe? Juste comme ça, t'inquiète. Enfin, vous inquiétez pas. Non, moi ça m'intéresse pas trop les filles et tout. Voilà. Non, pas du tout. Et toi? Ouais, mais je préfère le garder pour moi. Ah, oh, d'accord, pas de soucis. Et toi, Théo? Ah, moi aussi. Oh, et tu veux bien nous le dire? Je préfère que ça garde secret pour l'instant, comme Noah. Pas de soucis, t'inquiète. Comment ça, cette débilose de Ambre reste avec mon crush, en fait? Elle va vite le regretter, cette peste. Ok, on t'attend ici. Là, je le sens pas. Ouais. Ça va, je te dérange pas. Non. Non, mais sérieux, t'essayes de te la jouer cool alors que tu es personne. Ne t'approche pas de Léo, compris? Waouh, déjà dû, tu te calmes. Ça va? Oui, merci. Candice, t'es vraiment pas possible. Je t'ai déjà dit que c'était terminé entre nous. Je t'aime pas, ok? Ambre et moi, on est juste amis. Ah ouais, amis dès le premier jour. Moi, je te dis, espèce de petite garce. T'as pas intérêt de t'approcher de Léo. Sinon, tu aurais affaire à moi. Est-ce clair? Vas-y, Candice, ta gueule, là. T'es chiante. Mais qu'est-ce qu'il me veut, lui? Tais-toi, on t'a pas sonné? Par contre, moi, je te le dis, tu vas vite le parler mieux. C'est pas ton pote. Waouh, j'ai trop peur. J'ai peur de Madame Jeune, c'est tout. Je te jure que si je te vois encore une fois avec lui, ça va barder pour toi. Elle est vraiment débile, cette fille-là. Je lui ai dit pourtant c'était terminé entre nous, mais visiblement elle comprend pas. Ouais.